Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo mode grande taille, parce que je vais vous parler de la collection Maïté Kelly pour bon prix. Alors cette collaboration entre l'artiste Maïté Kelly, l'artiste allemande Maïté Kelly et la marque allemande Bon Prix se fait à chaque saison, et cette fois-ci c'est la collection printemps-été que je vais vous montrer. Vous allez tout d'abord voir le lookbook de cette collection. Moi c'est toujours une collection que j'adore. Je trouve que les vêtements sont toujours bien taillés. Ils sont à petit prix en plus, mais de bonne qualité. Franchement, j'ai même l'impression que c'est, en tout cas pour cette partie Maïté Kelly, peut-être même de meilleure qualité que ce que fait Bon Prix dans sa collection standard, parce que j'achète aussi chez Bon Prix normal. Et cette collection, j'ai toujours l'impression qu'elle est mieux faite, que les tissus sont mieux que les vêtements sont mieux finalisés, les tissus plus épais. De toute façon, elle est toujours plus tendance, plus colorée, plus jeune Maïté Kelly sur la photo du lookbook, sur toutes les photos qu'elle fait. Vous pouvez la voir, elle est souriante, elle est gaie, elle a des positions super sympas et tout. Franchement, c'est toujours une très chouette collection que j'attends à chaque saison impatiemment. Alors la collection Maïté Kelly pour bon prix, donc je vous disais, elle revient chaque saison avec assez bien de vêtements. En fait, j'ai toujours l'impression qu'il y a de plus en plus de vêtements à chaque saison, sachant aussi qu'ils remettent les vêtements qui ont bien marché les années précédentes. C'est notamment pour ça qu'il y a une petite veste en jeans qui est extra. Je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui parce que je l'ai reçue, je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Franchement, elle est extra. Si vous avez l'occasion de l'acheter, si vous cherchez une veste en jeans, foncez sur celle-là. Le problème avec cette collection, c'est qu'elle part très vite. Et là, je viens d'aller voir sur le site, il reste encore plein de trucs, sauf qu'il ne reste pas toutes les tailles. Sur certains articles, il ne reste que les petites tailles, sachant que la collection Maïté Kelly va du 38 au 60, avec souvent des doubles tailles. Il reste parfois les petites tailles, parfois les très grandes tailles, parfois il reste beaucoup plus. Ça dépend vraiment du vêtement. Je vous invite à aller voir sur le site de Bon Prix pour vous rendre compte de ce qui reste actuellement. Alors moi, j'ai reçu 5 pièces de cette collection. J'ai demandé 2 bas et 3 hauts qui me plaisaient vraiment beaucoup. J'ai un jeans, un jegging, 3 hauts, dont un t-shirt, c'est pas exactement chauve-souris, mais c'est presque chauve-souris. Un débardeur jaune et un t-shirt plutôt classique blanc avec des motifs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bien sûr, tous ces vêtements, vous allez les voir en tenue. Ce sont des vêtements que j'ai déjà portés, avec lesquels j'ai déjà pris en photo quelques tenues qui n'ont pas encore été postées sur le blog. Mais ça arrive très vite, donc vous allez les voir. En plus d'ici du catwalk, vous allez voir de toute façon sur le blog. On commence tout de suite avec le jeans. Alors c'est un jeans de couleur claire que j'ai choisi, que voici. Sur le site de Bon Prix, sur la photo du mannequin, on voit qu'il est plus court, qu'il est relevé en fait. Mais moi, au niveau de moi, vous allez le voir sur le catwalk, il tombe assez long, mais pas trop long non plus. Ce que j'aime dans ce jean, c'est les petits détails. Alors, il ne se voit pas des masses, surtout que moi, étant donné que je suis petite, par exemple, quand il y a une coupure au genou, ça ne tombe pas au genou, ça tombe en général plus haut ou plus bas. Et ça, c'est avec toutes les marques, tous les jeans, c'est pareil pour moi. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a des petits détails. C'est très léger, hein. Et de ce côté-ci aussi, il y a une ouverture au genou qui ne tombe pas sur mon genou du coup, mais qui n'est pas ouverte sur la peau en fait. Vous pouvez voir qu'il y a une doublure blanche en dessous, ce qui est pas plus mal, parce que moi qui suis très habituée aux jeans avec des trous, je peux vous dire qu'à force de les porter, mais vous le savez sûrement aussi, à force de les porter, il y a des fils qui partent, ça s'ouvre encore plus. J'aime pas trop quand c'est trop ouvert, mais voilà, ça, je vais pas dire que ça se dégrade, mais en tout cas ça bouge quand il y a des vêtements à trous. Et ici, je trouve ça assez ingénieux en fait qu'ils aient fait une petite doublure. Ça permettra, à mon avis, pardon, à ce que ça s'abîme moins vite. Voilà, au niveau de la taille, j'ai pris du 48 EU. Il me va très bien, franchement je suis hyper à l'aise. Il ne me sert pas du tout, il va bien à mes fesses aussi. Il faut savoir que les jeans Maïté Kelly sont toujours extra. Moi, le meilleur jeans que j'ai de toute ma vie, celui qui me fait le plus beau derrière, franchement c'est un jean de chez Maïté Kelly. Comme je vous disais, cette collection est toujours très bien pensée. Et voilà, donc celui-ci c'est une taille 48, une taille normale, une taille très bien. Franchement, il n'y a rien à dire, il est extra.
Ensuite on passe au deuxième bas que j'ai choisi. Alors c'est un jegging. Le jegging c'est un mélange entre un jean et un legging. Jegging, moi je suis extrêmement friande que ça, de ça. Je porte majoritairement ça, même si j'aime beaucoup les jeans aussi. Franchement le jegging c'est trop confortable. C'est comme porter, oui, un legging vraiment. Sauf que c'est plus épais, ça fait quand même vraiment aspect jeans qui est mieux habillé en fait. Et franchement j'adore les jeggings. Alors celui-ci, donc ce jegging est un jegging à motif. Qu'est-ce que c'est comme motif? Je pense qu'on dirait des graines en fait. On dirait des petites graines. Il a une taille élastiquée comme tous les jeggings. Il est franchement, il taille très très bien. Là aussi, il n'y a rien à dire. Je vérifie la taille, c'est aussi du 48. Il est très très bien. Il n'y a pas, il y a rien de spécial sur celui-ci. Il est un peu long. Il est un peu plus long que le jeans que je viens de vous montrer. Du coup, je vais lui faire un rebord. Je dirais qu'il est entre 10 et 15 cm trop grand pour moi, qui suis un mini pouce de 1m50, donc tout est toujours trop long pour moi. Mais voilà, alors le seul détail qu'il y a, c'est qu'il y a des poches à l'arrière, donc ça classique aussi. Sinon, il est vraiment extra, il est très très bien. Moi j'aime beaucoup les jeggings à motifs. Je trouve qu'on n'en trouve pas justement assez. Et l'année passée, chez Maïté Kelly, ils avaient le jegging à cœur qui est extra, que je porte aussi tout le temps. Franchement, il est vraiment trop sympa. On passe maintenant au haut que j'ai reçu. Alors c'est mon deuxième coup de cœur de cette collection Maïté Kelly. Deuxième ou premier, j'hésite parce que je vais vous montrer le vêtement juste après que j'aime beaucoup aussi. Alors c'est un t-shirt avec des manches, pas chauve-souris parce qu'en général chauve-souris on dit que c'est vraiment plus large, plus évasé, etc. Mais c'est presque chauve-souris parce que c'est un petit peu, vous voyez, c'est très fluide. Au niveau des manches, alors il est vraiment très très sympa. C'est une taille 48-50, ma taille habituelle, à savoir que je porte en général chez les Anglais, moi je me réfère tout le temps aux Anglais, aux Britanniques pardon, je porte toujours du 20UK qui correspond à du 48U50FR, donc ma taille c'est 48-50 en gros, et il est bien, mais je trouve qu'il est un petit peu près du corps pour une taille 48-50. Sachant que c'est une matière, vous allez le voir, je l'ai aussi pris en photo, vous le verrez très 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 bientôt sur le blog, vous allez le voir quand je le porte, c'est une matière qui, autant elle est fluide aux manches, autant elle n'est pas fluide sur le reste du corps, sur le ventre, etc. Parce qu'elle tombe, elle n'est pas lourde, mais elle tombe comme si elle était lourde, elle tombe droite, elle tombe comme ça, et du coup ça a tendance à vraiment être près du corps, et c'est peut-être ça son seul défaut. Sauf si ça vous dérange pas que ça soit un petit peu moulant, hein, pour ce genre de taille. Maintenant, moi, j'adore pour les t-shirts prendre une taille au-dessus pour être sûre d'être bien à l'aise, de pouvoir faire bouffer le t-shirt quand je le mets par exemple dans une robe, ce qui ne va pas être très très possible avec ce t-shirt-ci. Mais après, il est très très beau. Je vous ai fait une tenue avec le jegging justement, que vous verrez bientôt sur le blog. Et je vous ferai une tenue bientôt avec une jupe. Vous pourrez voir ce que ça donne dans deux tenues différentes. En tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce t-shirt, c'est vraiment les manches qui sont extra. Alors, je trouve que les manches comme ça, c'est un avantage quand on a des gros bras. Parce qu'en même temps, ça les met en valeur parce que c'est pas des manches classiques. Ça les remarque, en fait, ça fait remarquer les bras. Mais en même temps, c'est tellement fluide, c'est tellement agréable qu'on sent pas qu'on a des manches, qu'on est plus à l'aise quand on a des gros bras avec ce genre de manches. Je trouve que c'est vraiment un avantage avec ce genre de vêtement qui a une manche, je vous le montre encore, très 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 large, très très haute en fait. Voilà, alors c'est un très 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 chouette t-shirt franchement, et puis la couleur est extra, moi le rose c'est ma couleur. Donc voilà, ensuite on passe à mon coup de cœur. Alors je vous disais c'était soit le t-shirt rose, soit ce top débardeur jaune, en fait j'aime beaucoup les deux. Celui-ci je ne l'ai pas encore porté, de vrai, je veux dire porter dans la vie. Il a toujours sa petite étiquette ici. Alors les étiquettes Maïté Kelly, c'est toujours des cœurs, c'est aussi toujours très sympa. Alors c'est une taille 48-50, c'est un débardeur classique, hein, vous pouvez le voir, avec un liseré noir sur les contours qui est assez long. Et là aussi Maïté Kelly, en général les vêtements sont vraiment pensés pour les rondes parce que on n'a jamais de vêtements trop courts en fait. Parfois, chez certaines marques, je pense notamment à Dorothy Perkins qui a un vrai problème avec ça, c'est que les
hauts sont trop courts et alors ils pensent pas que les rondes ont de la poitrine, ont du ventre, qui prend du tissu aussi. Hein. Et bien chez Maïté Kelly, on n'a jamais ce problème, tout est toujours à la bonne hauteur et ça c'est vraiment très très chouette. Alors ce que j'aime dans ce top, c'est bien sûr la couleur, mais c'est aussi le motif que je trouve assez sympa aussi, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, et franchement c'est un t-shirt qui me plaît énormément. Je pense que quand j'ai vu le lookbook pour la première fois, c'est le truc qui m'a le plus plu, avec aussi le t-shirt rose que je viens de vous montrer. Et pour finir, le dernier vêtement de ma sélection, c'est un t-shirt classique que voici. C'est un petit t-shirt blanc avec comme motif des petits palmiers à l'endroit, à l'envers. C'est aussi une taille 48-50 avec une manche très très courte en fait, elle est quasi pas, on voit quasi pas que c'est une manche en fait. Vous allez voir comment ça tombe sur le catwalk et voilà, alors la seule petite originalité qu'il y a là-dessus, c'est la petite poche à l'avant qui est assez pratique pour ranger moi mon cache de photo, un appareil photo tout simplement, ou alors son GSM, pourquoi pas. Là aussi, franchement, le vêtement est pensé pour les rondes, vous le voyez dans le catwalk, franchement ça tombe à la longueur nickel, il n'y a rien à dire, c'est aussi un très bon vêtement. Voilà, vous avez tout vu, ma sélection pour cette collection printemps-été de la collection en édition limitée Maïté Kelly en collaboration avec Bonprix. Je vous rappelle que cette collection va du 38 au 60, qu'elle n'est pas très chère. Les coupes sont toujours extra, vraiment faites pour les rondes ou alors faites aussi pour les plus minces mais grandes. Ça sera l'idéal à mon avis vu la longueur des vêtements. Les finitions sont toujours très bonnes, les coupes donc je vous disais elles sont extra. La collection est toujours colorée, Maïté Kelly est très très fraîche, elle est toujours gay, franchement rien qu'avoir le lookbook, rien qu'avoir ses poses et tout ça, son grand sourire, ça donne toujours envie d'acheter je trouve. Ce qui est bien aussi, c'est que dans cette collection en général tout le monde va un petit peu s'y retrouver parce que il y a des basiques, vous avez vu le t-shirt blanc avec les petits palmiers, bah, c'est quand même basique à part qu'il y a de la couleur, mais il y a aussi des trucs plus originaux, donc vous avez vu par exemple le jegging avec les motifs, tout le monde porte pas ce genre de jegging, mais voilà, il y a du tendance, il y a du classique, il y a un peu tout, mais il y a surtout plein de couleurs et je trouve que de manière générale dans la mode grande taille et dans la mode basique, en fait je trouve que la couleur ça manque en fait, et dans cette collection Maïté Kelly, en fait j'ai toujours connu énormément de couleurs, énormément de gaieté, et franchement c'est vraiment son gros point fort. Moi j'adore cette collection, je n'ai jamais été déçue, il y a des vêtements que je garde des collections d'il y a 3 ans ou plus, il y a des vêtements que je porte toujours, qui sont toujours extra. Moi je vous disais, mon jean préféré, celui qui me fait le plus beau derrière, franchement il vient de là. La petite veste en jeans, ma petite veste en jean préférée, elle vient de là. Le pull que je porte, donc je vous disais, c'est un pull de là aussi. Il n'y a rien à dire, c'est topissime, ça cartonne. Franchement c'est la grosse reco en mode grande taille de manière générale, c'est un truc à pas manquer sur cette fameuse collection et elle part très 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 vite, donc il faut vraiment essayer de se tenir informé de quand elle sort. Moi de toute façon dès que je suis au courant qu'elle sort, je partage l'info sur ma page Facebook et je vous mets le lookbook pour que vous puissiez voir pardon, ce que donne cette collection. Alors là je vous disais, il y a quelques vêtements qui sont déjà partis, qui sont déjà plus dispo en toutes les tailles. Faut vraiment sauter dessus quand ça sort, allez voir sur le site, allez voir ce qui reste, allez voir ce que vous êtes susceptible d'acheter. Ça vous donnera peut-être aussi des idées de look avec des vêtements que vous avez déjà ou ce genre de choses en fait. C'est vraiment une collection inspirante qui me plaît énormément, qui est vraiment dans le style de vêtements que je porte. Même en hiver, pour vous dire, même les collections d'hiver, elles sont toujours colorées. Donc voilà, c'est vraiment top, top, top. Après, pour les gens qui n'aiment pas trop la couleur, c'est vrai que là, c'est peut-être un petit désavantage. Mais il y a quand même aussi des vêtements plus classiques. Il y a des jeans qui sont hyper bien taillés, qui sont super. Ceux que je viens de vous montrer sont vraiment extra. Voilà, moi, je ne sais pas trop quoi vous dire, à part que c'est cette collection Maïté Kelly. C'est vraiment une grosse reco. Allez voir ça. Voilà, je vous ai tout dit, n'hésitez pas à laisser vos questions si vous en avez, laissez vos commentaires, cette vidéo sera postée sur le blog aussi. Les looks arrivent, il y en a déjà deux qui sont shootés, suivez ça bien sur le blog. Et voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, qui sera probablement une vidéo beauté, mais pas que ça, parce que je dois aussi lancer le concours des 500 abonnés, parce que oui, merci. Vous êtes 500, plus 500 même. Et donc, je vais lancer un petit concours qui sera un concours beauté avec
un méga prix. Ça sera un petit peu une Letty Lurebox, un concept que j'avais déjà lancé sur le blog une fois, qui avait très bien marché aussi. Donc avec plein de produits que j'ai reçus et que je n'utilise pas, qui ne sont pas ouverts bien sûr, et pas périmés non plus, et que je mettrai en jeu prochainement. Je ne sais pas si je vais d'abord lancer le concours ou si je vais d'abord faire la vidéo beauté, mais en tout cas ça arrive. Et merci énormément, merci beaucoup d'être 500, franchement ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos demandes de vidéos si vous voulez plus voir de la mode classique, de la mode grande taille, du lookbook, des astuces, si vous voulez plus voir de la beauté, si vous voulez voir du lifestyle, si vous voulez voir des make-up, pourquoi pas, si vous voulez voir des reviews de produits et tout ça. N'hésitez pas, dites-moi tout ça, je suis à votre écoute. Voilà, on se laisse ici, à la semaine prochaine, salut! Pour le thème bohème. Je vous invite bien sûr à aller voir les détails de cette tenue sur le blog. Mais je porte des boucles d'oreilles balaboustées, un top Julie Paris, un short Dorothy Perkins, des collants Primark et des chaussures Fred Perry.